Et bienvenue sur Benvi pour Song of Memories, développé par Future Tech Lab, édité par P-Cube, sorti le 1er février 2019. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un visuel novel avec une petite particularité, c'est que les personnages sont un petit peu animés sur des plans fixes derrière. Je trouve ça assez touchant et agréable. Voilà, c'est une petite particularité, fin de la parenthèse. Donc évidemment, il y a plusieurs fins, plusieurs cheminements possibles. C'est une traduction française qu'on a, mais je ne vais pas y mettre un point d'honneur parce qu'elle est ratée par moments avec des petits soucis sur certains mots et même des mots qui ont été oubliés apparemment. Enfin, c'est pas non plus la fête à la saucisse. Par contre, ce qui est à la fête à la saucisse, c'est un petit peu le côté fan service évidemment. Ça reste assez racoleur entre guillemets, mais bon, voilà, c'est marrant. On aime en cachette. Donc non, franchement, l'histoire est plutôt accrocheuse, sympathique. On a aussi des petits combats de monstres avec une petite notion d'RPG, entre guillemets. C'est que, évidemment, on va combattre, enfin pas nous, mais une unité pour nous. Et c'est sur fond de jeu de rythme. Bon, ben voilà, ça casse un petit peu la parlotte. Non, franchement, ça reste agréable. C'est assez long avec pas mal de fins. C'est sympathique. C'est un bon petit visual novel qu'on apprécie.